Les mangroves du Vietnam sont particulièrement intéressantes parce que le Vietnam se situe dans le hotspot mondial de la diversité des palétuviers, mais en même temps, elle est soumise à des fortes pressions anthropiques. La population dans le delta du fleuve Rouge compte parmi les plus denses de la planète. La mangrove fait face à des activités humaines multiples, la pêche, l'aquaculture, la collecte des crabes, des mollusques, des gastéropodes, des bivalves, et aussi dans les zones adjacentes, la riziculture. Dans la plupart des mangroves de la planète, les palétuviers sont à la base de la chaîne alimentaire par la matière végétale en décomposition qu'ils produisent. Au Vietnam, la situation est différente. De récentes études menées par une scientifique de l'Institut de recherche pour le développement et par ses partenaires ont révélé toute l'importance du benthos, ces formes de vie qui se développent sur et dans le sol de cette mangrove. C'est là que se trouve la source du réseau trophique, c'est-à-dire de la chaîne alimentaire. Une question centrale de notre programme de recherche était de savoir qu'est-ce qui était à la base des réseaux trophiques dans les mangroves. On s'intéresse particulièrement à la faune benthique, ce sont les crabes, les gastéropodes, donc les escargots, les bivalves et les petits vers qui sont dans le sédiment. C'est tous ces organismes qui vivent à la surface ou à l'intérieur du substrat. Nos études ont trouvé que les mangroves du Vietnam étaient dominées par les gastéropodes et ça les distingue des autres mangroves dans d'autres régions de la planète où les crabes dominent largement. C'est une Terebralia, c'est un petit escargot qui est très abondant dans cette mangrove. Et ici en Asie, c'est Terebralia sulcata. Nos études sur les réseaux trophiques ont montré que ces gastéropodes mangeaient principalement les algues vivantes. Donc ils sont des herbivores et pas des détritivores comme les crabes dans le réseau trophique classique décrit dans les mangroves. C'est vraiment une particularité de cet écosystème ici au niveau du fonctionnement. Pour mieux connaître le rôle de ces escargots brouteurs d'algues, les scientifiques préparent une expérience et rassemblent les éléments nécessaires à celle-ci. De leur côté, Man et Yen réalisent des carottages du sol qui permettront d'inventorier au laboratoire les espèces du benthos de la mangrove. Si on a besoin de 3h30, on est de retour à 8h. D'accord. Bon, je dis à Man, elle fait 8. Oui, si elle peut. Après, bon, elle a besoin des équipes. Manoï Samjua hai điểm nữa hay là hai con nữa? Ok, two left. Ok, khẩn trương nha. Kiên ơi. Nous retrouvons Judith, Thuy et Kien au laboratoire de la jeune équipe associée à l'IRD dans les bâtiments de l'Institut environnemental technologique à Hanoï. Donc ça, c'est les lames de verre qu'on a récupérées sur le terrain. Ici, vous voulez voir, c'est la biofilm qui est colonisée pendant un mois. Mm-hmm. Et il y a quelques zones de verre ici. Nous allons donc placer ces lames de verre dans des aquariums. On va ajouter différentes densités d'escargots et on va étudier leur comportement de broutage et l'effet de ces escargots sur le biofilm. Le biofilm est un agglomérat de micro-organismes, essentiellement des bactéries, soudés entre eux et adhérents à une surface. The second density is 5.
5 individuals. Dans ce projet-là, on travaille avec plusieurs groupes. Par exemple, il y a d'autres groupes qui travaillent sur la qualité de l'eau, et d'autres qui travaillent sur la méofauna, et d'autres qui travaillent sur la macrofauna. Et moi, je voudrais savoir la diversité de microphytobentos dans la mangrove. Et je voudrais savoir le lien entre microphytobentos avec les autres groupes. Le biofilm dans les mangroves est en général peu étudié. Ça vient aussi du fait qu'il est difficile à échantillonner. Donc TUI a mis au point avec des collègues en France un protocole pour extraire le microphytobentos des sédiments. Le microphytobentos, c'est la roue qui peut répondre très vite pour le changement de l'environnement. Pendant ce temps, Mann va extraire des carottages une forme de vie qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui représente pourtant une part très importante de la diversité biologique sur Terre. En effet, en nombre, ces espèces constituent les 4/5 du règne animal. Ce sont de minuscules vers ronds, des nématodes. You can have like 1000 or 10,000 nematodes just in 10 centimeters square of the sediment. So you can't identify all the nematodes inside one sample. For identification, we pick up randomly just 200 nematodes. So after she picked the nematode on the drop of glycerin, now we have to seal the cover glass. So okay. We use beeswax to do it. Fuong va alors commencer un long travail d'identification qui peut durer plusieurs mois pour un seul site. Just it's about 20 micrometers long. Yeah. And then this is the head. Plus que jamais. Connaître et comprendre un écosystème composé de micro et de macro formes de vie est indispensable pour suivre son évolution face aux changements environnementaux, qu'ils soient d'origine humaine ou climatique. The mangrove, I think, is very important. It plays an important role because it's the line between the land and the sea. And now, for the how can I say the climate change, it can reduce the impact of. Because the sea water level is a rise. La connaissance du réseau trophique permet aussi de protéger les organismes nécessaires pour la production des bioressources, ce qui est important pour justement la population locale. Ce qui m'intéressait particulièrement ici, c'est d'étudier cette mangrove qui est très singulière, où on a une grande diversité de l'écosystème et une multitude d'activités humaines. Et où on aimerait faire cohabiter une conservation de la mangrove et aussi l'exploitation gérée par la population locale des ressources marines.